Le Polisario a organisé hier un défilé militaire devant le soi-disant ministère de la Défense. Environ 110 militaires ont participé à ce défilé en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité et du processus de règlement onusien. Au cours donc de ce défilé, le Polisario a déclaré l'état d'alerte et a appelé à la mobilisation des éléments de l'armée, de la sécurité et de la gendarmerie. Le Polisario a qualifié ce défilé militaire de prélude au retour à la lutte armée, appelant ainsi tous ceux qui avaient suivi une formation militaire ou avaient été dans les rangs de l'armée à rejoindre leurs zones militaires respectives et les sites d'entretien des véhicules militaires et des chars combat. Écoutons ensemble l'analyse que fait Charles Saint-Pro de ces nouvelles provocations du Polisario. C'est pas une démonstration de force, c'est un geste de mauvaise humeur du Polisario, qui n'est, je le répète, que le pantin de l'Algérie. C'est une nouvelle provocation contre les Nations Unies. Cela montre l'extrême faiblesse du mouvement séparatiste et de son sponsor algérien, qui ne savent plus trop quoi faire et qui en sont à faire de la gesticulation, c'est-à-dire rien.